في العين غنى للعين إن تنطق أفواه. La réponse du regard au regard se passe de toute parole. Alors l'auteur de cette phrase, il s'appelle Abu al-Ataya. Il voulait dire que le regard par les yeux, c'est suffisant. On peut ne pas écouter les paroles. Et je trouve que ce poète, j'aime beaucoup, il a vécu au 8e siècle à Bagdad. Au début, quand il était jeune, il était un peu rebelle, mais le pouvoir était très fort. Et elle acceptait quand même de vivre dans les sphères hautes de Bagdad, les poètes, les écrivains. Et ces poèmes, ils sont toujours aussi difficiles à traduire parce qu'ils cherchent la musicalité dans les mots. Quand il dit « Walil aini, rinan lil aini », il dit « L'œil, elle s'enrichit de l'œil de l'autre ». Et on n'a plus besoin de paroles. Et cette image, moi, qui m'a attiré, et donc j'ai essayé de faire une écriture ordinaire, simple, avec la simplicité qui demande l'auteur. Et puis, il y a des points de technique, il y a un bleu, mais en même temps, j'ai mis un peu de l'ocre de terre. L'ocre jaune, il ne veut pas se mélanger avec le bleu qui est industriel. Parce qu'il est naturel, il sent qu'il est peut-être plus privilégié. Ça, j'ai remarqué souvent. Là, ici, par exemple, on voit un ocre qui ne se mélange pas avec le bleu. Même quand il entre dans le bleu, en l'agrandissant, on voit des petits points jaunes. Ils sont restés jaunes à l'intérieur du bleu. Ils ne se mélangent pas. Alors, ce sont mes deux couleurs préférées. Le bleu et l'ocre, en fait, qui pour moi aussi parlent à la fois de la terre et du ciel. Et j'ai mis des fois des points rouges, jaunes, depuis 40 ans. Souvent j'utilise cette technique-là pour dire j'ai des couleurs, mais j'utilise souvent, ça arrive souvent, j'utilise une seule couleur, c'est-à-dire une ou deux couleurs. C'est un peu en répondant à une phrase de syntaxe. Qui dit l'œuvre parfaite, c'est pas qu'on ajoute quelque chose, c'est le moment où on peut rien enlever, c'est-à-dire rester vraiment l'essentiel. Et j'essaye de chercher ça, peut-être un jour j'y arriverai. Pour moi, c'est déjà là, mais bon, j'imagine qu'il y a un point ultime pour vous à rencontrer.